Côme. Bonjour, c'est Monsieur Chalet de Boitin. Aujourd'hui, on conclut notre découverte du Qatar. Un pays où il peut faire de puissantes cafes. Alors bon, c'est idéal pour jouer au football. Par contre, il y en a qui supportent moins bien. Et c'est pour ça qu'ils ont construit des immenses frigos. Allez, on va se mettre au frais. Mais c'est dingue. On se croirait vraiment en Italie. Allez, andiamo! Ah, une patinoire alors qu'il fait 45 degrés dehors, c'est vrai qu'il y a de quoi avoir un tout petit peu honte. Et du coup, d'interdire de s'affilmer ou de s'apprendre aux photos. McDo, KFC, la bouffe est pas tellement italienne par contre. Ah si, il y a Pizza Hut. On est en Italie, mais on est aussi un petit peu en France. Ici, c'est Paris, et puis ici, c'est l'employé du mois. Mais tout le pognon qu'il y a sur cette photo. Par contre, moi j'ai coûté seulement 500 000 rials. Évidemment que ça sert rien, c'est des fleurs en plastique. Le plastique, c'est fait avec quoi? Du pétrole? Ils ont ça sur la main. Ben forcément, ils font des trucs avec. Faut que je lâche un fil, mais je sais pas si j'ose. Ouh, y a du beau monde là. Non, je suis pas assez important. Ah, c'est vraiment le paradis du fun, ici. Je me sens comme un gamin. Allez, viens vers papa. En tout cas, faudra pas venir me dire que les Qataris savent pas s'amuser. À Venise avec mon épouse, juste avant son accident. Franchement, c'est pareil. Sauf qu'il n'y a pas d'un canal grande, qu'il n'y a pas des Italiens qui gueulent sur les quais, et puis que les gondoliers n'ont pas besoin de ramer pour de vrai, mais sinon, franchement, la même expérience client. Salut, mon amour. J'espère que ton infirmière s'est un petit peu calmée. T'as vu où je suis? Hein? Venezia, come in 1978, quando siamo innamorato da te. Fantastique cet endroit. Et puis, en fait, ça a un rôle social aussi, parce que tous les ouvriers qui sont payés comme des merdes, quand ils viennent ici, eh ben, ils se disent, si je bosse toute ma vie, peut-être qu'un jour, je pourrais m'offrir un tour en gondole. Ça les motive. Bon, toutes ces émotions, ça creuse. On va croquer une morse dans ce boui-boui. C'est autre chose que chez Manora. Ah ben merde, il n'y a plus de caviar. Mais quel dépaysement. Ça, c'est le sommet. Non, vraiment, là, je crois qu'on peut dire que le Qatar m'a séduit. Non, mais ce pays est parfait. Il y a de la culture, de la gastronomie, la nature, le shopping, le sport. Non, moi, je suis séduit. Je vais faire comme Gianni Infantino, je vais me trouver un petit studio ici, puis je vous laisse retourner en Suisse. Je reste là pour au moins 1001 journées. Allez, à bientôt, l'équipe. Salut Malika!